Hey, salut les louches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Smashing 4. De retour sur Smashing 4, les gars, on a ouvert le jeu, c'est parti, c'est magnifique, sensation, bon ça a presque pas changé en fait. C'est ce que je suis en train de me dire depuis la dernière vidéo, à part ça là, il n'y avait pas avant. On s'en fait un vite fait, vas-y. Ok, allez, faut tuer les trois en un coup si j'ai bien compris. Tac tac, oh, la poisse, j'ai tué que deux. Voilà, et du coup ça nous fait gagner de l'or. Voilà, 300 d'or. C'est sympa. Ça permet d'avoir de l'or, c'est tous les jours, enfin tous les 5 heures visiblement. Toutes les 5 heures, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là c'est les mises à jour hein. Les gars, bon ça, ça a pas changé j'imagine. Ouais voilà, toujours pareil, toujours pareil. Les défis sont là-haut. Ouais, donc j'ai fait une petite partie avant quand même les gars, sans faire exprès en plus. Mais c'était pour tester surtout le son du jeu, tout ça. Bon, le pass de combat, il a pas changé des masses, hein. À part que maintenant, on a une épique dès le début. 3000 gemmes, je trouve, ça fait beaucoup. Je sais pas s'il y avait 3000 gemmes avant. Ouais, je vous mets un petit extrait, vous verrez, mais je trouve que ça fait pas mal. Parce que pour 5 euros, 3000 gemmes, pas dégueulasse, c'est 21 euros normalement. Pas sûr, faut faire les défis. Mais bon, bah, ça se fait bien quand même. Bon, vous voyez, pendant le montage, du coup, là, j'étais en train de regarder une ancienne vidéo pour voir. Mais alors, c'était pas du tout pareil le Season Pass. 250, 150, et mais 500 gemmes, 550, je crois. Là, on était à 3000 quand même. Et aussi, les gars, on peut voir l'or. Dans l'autre, il y a 20 000. Là, il y a que 10 000. C'est un truc de fou. Ils ont vachement amélioré le truc. Ça vaut plus le coup déjà de l'acheter, c'est mieux. Ça se fait bien, nouveau personnage, bah y en a qu'un. Les petites souris, j'en avais parlé dans une vidéo justement, donc franchement, ils ont pas avancé là-dessus. Peut-être qu'il y en a un nouveau qui va arriver. Et vu que le barbare a été redesigné, voilà, on le voit bien. On a d'autres, bon, il y a du monde qui est venu dans mon clan, voilà, je suis abonné. Merci Elias, merci Omega, merci Vlad, et merci Iron Man Legend. Il y a quelqu'un d'autre dans le clan? Il y a Omega. Et ben je dis qu'on va se faire une bataille. Une bataille avec notre deck. Oh, il n'y a pas de nouvelle arène? Non, pas de nouvelle arène. L'arène des héros, c'est le truc de feu du milieu, ok. Les récompenses, 2400. Ouais, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, faut qu'on... Je suis pas loin de l'arène des héros, mais faut que je me mette à jouer, les gars, c'est toujours pareil. Faut jouer pour devenir un champion. Alors, c'est parti. Le pirate, là, va falloir qu'on tue et le zombie en premier. Tels seront nos objectifs. Ensuite, il nous faudra enchanter le saltire au prochain tour. Lui va s'enchanter. Et bien, cette map-là, en vrai aussi. Pas terrible, les gars. C'est pas terrible tout ça, putain. Ok. On est zombifié. Oui, c'était bien ça. Ah oui, oui. Oui, quel beau jeu. Beau jeu, beau jeu, les gars. Alors, on n'a pas fait exprès tout ça, mais c'était beau. Le pirate qui vient de se remettre de la vie, du coup. Bon, pas plus qu'il n'en avait, donc ça va. Si je le joue pas en face comme ça. Voilà, là, ça fait des dégâts. Allez, oh, il a pas touché le zombie, c'est dommage. C'est dommage. Ok, le gobelin qui peut nous faire mal. Non, ça va. Ah, c'est quand même. Aïe, aïe, aïe. Et lui, il est mort de forgeron, du coup, je peux plus contrer son zombie. L'archer l'a pas encore. Est-ce qu'on peut aller chercher? Non, c'est trop juste, il peut pas. On va faire ça plutôt. On lui a fait mal, c'est pas mal, c'est pas mal, les gars. Est-ce qu'on va gagner? Je sais pas. Mais c'est pas mal quand même. Aïe. Aïe, aïe. Ouais. C'était pas un super coup non plus. Bon, j'ai tué le pirate, c'est tout ce qui compte. Hein. Mais il me reste quand même 3 cartes à buter. Bon, ok, le Berserker va faire masse, les gars. Il va pas falloir que je loupe les tirs. Impeccable en plus. Il m'offre la possibilité de lui faire mal. On lui fait mal. On lui fait un mama. Putain, il est pas mort. Mais non. Allez, 18 HP. 21 HP. Wouhou, c'est la fête. Putain, l'enfoiré, il a que de la chance. Bon, tu le zombie. Touche, 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 touche. Oui. Alors, de toute façon, je suis perdu. Avec 80.
29. Pépère, il tape du 113. Ok, c'est bon. Il me tue les deux, terminé. Ah, même pas les deux, mais il est nul. Je ferai jamais assez de dégâts pour tuer son. Son gobelin, son orc. Je l'ai affaibli, mais ça fait pas grand chose. Lui, il tape du 169. Quand même! Ça pique. Bah, c'est pas une franche réussite, les gars, parce que là, c'est vrai qu'on s'est fait démonter. Voilà. Moi, je dis ça comme ça après, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, les gars. Allez, on continue, c'est parti. Go. On repart sur une nouvelle. Allez, on est parti, on est chaud, on est patate. Faut que je voie après qu'on. J'ai pas regardé à combien il se débloque le nouveau personnage. Je l'ai pas touché. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Il m'a pas touché non plus. On va en profiter. Ouais, c'était pas ouf non plus. Non. Oui. Aïe. Oui. Bon, on a fait ce qu'on a pu faire. Hein. C'était pas non plus une franche réussite. Ou ça, ça peut faire mal par contre, oui. C'est bon, très bon, il va rien toucher. J'aurais bien essayé de démonter ça là. Parce que là, entre nous, c'est Satyr et la Naga qui font le plus de dégâts. Donc c'est les deux éliminés en premier. Quoi que ça va, fait pas tant de dégâts que ça. Ça semble plutôt pas mal. Voilà, là on a fait mal. Là, on a fait très très mal parce que le trait 1, il est presque dead. Il n'était pas du tout dead. Le satyr également. Et on a tué la naga. On est bien. On est très très bien. Attention, quel coup va-t-il nous jouer? Ouh, c'est bien ça le berserker qui prend de la force. On va envoyer le berserker tout droit là-bas. Hop, hop. Oh oui, ça touche. Merveilleux. Et c'est un double kill. Il reste plus que la banshee. La banshee qui fait quand même des dégâts. 94, ça fait quand même des dégâts. Ça, la vie, 400. Mais ça devrait le faire. C'est à qui là? Forgeron. Ça sert à rien en plus. Ouais, bah on va essayer de l'envoyer en bas. Oui, il est magnifique. Magnifique, monsieur. Magnifique. Et de toute façon, il a abandonné. Il savait qu'il avait perdu. C'est très ambitieux de sa part. Putain, maintenant par contre, en fait, il y a un truc qui me plaît moins dans le jeu. C'est que maintenant, tu vois, tu peux regarder les pubs pour jouer. Ça, je trouve ça dommage. Bon, après, ça permet aux gens qui n'ont pas envie de mettre de l'argent d'aller plus vite. C'est sûr, c'est bien, mais bon, ça, c'est dommage de regarder une pub quand même. C'est ma petite. Un petit bémol là-dessus. Son niveau de rareté, c'est une commune. Oh oui. Donc, on pourrait la débloquer quand on veut. Bonus x2 encore, tu vois, une vidéo, pas bonus x2. Et voilà. C'est bon, c'était pas si compliqué que ça de débloquer le nouveau personnage. C'est bien. Et ben voilà, comme ça on l'a, on n'aura plus qu'à le tester. Sur une prochaine vidéo, bien sûr. Je le monte un peu en niveau, et on se le testera, ce sera pas mal. Sur ce, bah c'était une petite vidéo, on redécouvre Smashing 4. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça. On va parler des Bimoji, bon, vu le prix qu'ils sont, t'as pas trop envie de les acheter. À moins que tu peux en avoir en regardant les vidéos. Ah non, ça tu peux pas en avoir en regardant les vidéos. Pas cool, parce que sinon il y a quoi? Ah, il fait un petit off là, la Karen 8, ça se fait plus vite, voilà. C'est pareil, sinon il n'y a pas de vidéo. Ok, c'est bien. Sur ce, ciao! Ciao! On y patate.